après un poste en dérivation. Et ce poste, il sert donc à transformer donc, le 110 kV en 30 kV et alimenter deux lignes de distribution, donc de Sougueta jusqu'à Polenté et de Sougueta également jusqu'à l'INSAM. Dans quelles conditions ces travaux-là se sont passés ? Ben écoutez, c'est très simple. Ici, au départ, il n'y avait rien. Donc, ce qu'il y a, il n'y avait que des arbres et tout ça. Donc, il fallait réaliser la plateforme. Donc, et après, ce qu'il y a, c'est qu'après, donc, il y avait des études à faire. Donc, et puis après ça, donc, on a commencé à réaliser les travaux, monter les équipements. Voilà, et tout s'est fait à peu près sur 2 ans. Sur 2 ans ? Oui. Combien ça vous a coûté ? Ben, c'est pas nous que, donc, on n'est pas bailleur de fonds. Donc, on a gagné ce marché. Donc, voilà, c'est nous qui avons gagné. Et quelle est la capacité de cette rec? La capacité, c'est 5 MVA. La capacité du transport, c'est 5 MVA, ce qui suffit largement pour le moment pour alimenter Kolenté et puis l'INSAM, surtout que ces localités n'avaient pas de courant auparavant. Merci, monsieur.